a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle et franchi des pays que je ne voyais peu. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle. Un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et pas de dessus tout ça. On vous donne en étreinte l'accent qui se promet et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri. J'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil. Un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la belle à Poutine, à la belle à Poutine, pay, 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 pay. La Provence en lyrique, bonjour, nous sommes à Mauriès, c'est une commune du Bouches-du-Rhône et on vous balade avec plaisir dans cette rue principale avec un marché typiquement provençal. On a vu hein, la chanson ici, Gilbert Bécaud, et puis on a vu le décor ici, vous avez vu les fruits, vous avez vu les fromages, la viande, c'est un petit peu les clichés de la Provence, mais c'est ça aussi. Et il fait déjà 27 degrés en Provence, qui a reçu hier, pas loin d'ici, de l'orage, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez. Donc on voulait vous montrer ce moment-là que vous avez peut-être vécu si vous étiez en vacances ou que vous vivez encore, si vous êtes encore en vacances évidemment dans la région, les platanes, la rue principale et puis les gens bien sûr, ici tout sourire si j'ose dire parce qu'on ne les voit pas trop du même jour, où ils ont tous le masque obligatoire évidemment et puis cette couleur du ciel avec ces maisons éclairées par le soleil ici et puis ces fruits de toutes sortes qui poussent ici avec abondance et qu'on voit avec gourmandise évidemment. Nous ne sommes pas très loin de la Huerta Contadine où il y a quand même tous ces bons produits ici de Provence avec lesquels on fait de très belles choses. Regardez-moi ça, et ça part comme des petits pains si j'ose dire. Et bien c'est ça la Provence. Il y a les fruits évidemment, on ne les oublie pas. Ils sont un peu plus chers cette année les fruits évidemment. Mais dans la région il n'y a pas eu de gel, donc il y a pas mal de production, il y a des bons produits. Vous voyez le nectar de kiwi par exemple ici, ou encore bien sûr les pêches. Vous voyez, ben, c'est comme ça, c'est un
marché gourmand, si j'ose dire. Et les melons, alors ici les melons, terre de Camargue, on n'est pas loin de la Camargue ici, Mauriès, c'est les Alpes, c'est les Bouches-du-Rhône, et c'est le bonheur simple des vacances qui continue encore aujourd'hui. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle et franchi les pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle. Et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin. Un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent se promène et qui n'en finit pas. À la belle Aputina, à la belle Aputina, et les senteurs avec, vous ne les avez pas, ben nous les avons ici, c'est magnifique. C'est le cadeau du matin, vous voyez, c'est encore les vacances, on en profite et on vous les souhaite encore de belles vacances, c'est le cas pour vous. C'était le marché de Mauriès, on rappelle bien, petit village niché à côté des Alpilles, pas bien loin des Bouches-du-Rhône hein, d'ailleurs, du Luberon, pas très loin, et c'est un bonheur que de le vivre comme ça dans cette région. Eh bien, merci de nous avoir suivis et belle journée, à tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page, la place du village, un peu délocalisée durant cet été. Mais rassurez-vous, on revient très vite au pays de Savoie, notre base, même si on est bien sûr souvent à droite et à gauche. Voilà, cette image qu'on va vous laisser. Belle journée. Arrivez pas, merci, au revoir. Beau temps aujourd'hui, une grosse chaleur dans le sud, attention, moins chaud dans le nord. On vous offre quand même le soleil. À bientôt, au revoir.